Bonjour, c'est Laurent, Découvreur Occitan. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de production d'électricité en photovoltaïque sur les toitures. Si vous êtes propriétaire de votre maison et si vous voulez faire baisser votre facture d'électricité ou tout simplement si vous voulez faire un geste écologique en produisant vous-même, localement, l'électricité nécessaire à votre habitation, alors cette vidéo est faite pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il est important que vous sachiez qu'en fait, je suis couvreur de métier depuis plus de 25 ans, mais qu'à titre personnel, j'ai vu ma propre facture d'électricité augmenter de près de 20% sur les 4 dernières années. Et ça fait pas mal quand même. Donc j'ai fait quelques recherches à ce sujet, parce que ça m'a quand même un petit peu inquiété que ma facture elle augmente de 20%. Et en fait, les études montrent clairement que en fait, l'électricité en 2023, eh ben, elle pourrait carrément avoir doublé en 10 ans par rapport au tarif de 2014. Alors comment est-ce qu'une telle augmentation de l'électricité est possible? Ben, en fait, c'est très simple. Aujourd'hui, en France, l'électricité est en moyenne 24% moins chère que dans les autres pays européens et 43% moins chère qu'en Allemagne. Donc, la Commission européenne de régulation de l'énergie voudrait qu'en fait qu'on arrive à un équilibre au niveau des tarifs européens. Et idéalement, bah, il faudrait arriver au tarif des Allemands. Alors, qui est pas terrible, c'est quand même super cher. Alors, on ne se rend pas toujours compte de l'augmentation de l'électricité, parce qu'en fait, le kilowattheure, qui est actuellement à 16 centimes aujourd'hui en France, bah, si on l'augmente de 5%, bah, il passe à 17 centimes. Et en fait, ce sont des augmentations de centimes qui ne nous paraissent pas tellement importantes. Sauf qu'en fait, quand on regarde notre facture dans la globalité, et bah, le prix de l'électricité, bah, il s'envole littéralement. Imaginez-vous avec une facture d'électricité deux fois plus élevée que celle que vous avez aujourd'hui pour exactement le même service. Alors, en ce qui me concerne, j'ai pris un temps pour réfléchir à cette situation et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour éviter que ma facture d'électricité, bah, ne devienne deux fois plus élevée, tout simplement. Alors, bien sûr, puisque je suis couvreur, j'ai pensé à la solution des systèmes de production d'électricité photovoltaïque, surtout que depuis quelque temps, on parle beaucoup de systèmes en autoconsommation. Peut-être que vous en avez entendu parler d'ailleurs. L'idée de produire moi-même l'électricité dont j'ai besoin pour ma maison, bah, en fait, me plaisait beaucoup. Simplement, bon, comme vous le savez, je l'ai dit, mais je le répète, je suis couvreur, c'est important. Et depuis quelques années, j'ai eu l'occasion d'être le témoin de beaucoup de malfaçons sur les installations photovoltaïques installées à la fin des années 2000, début des années 2010. J'ai eu l'occasion en fait de constater que beaucoup de ces systèmes n'étaient plus étanches au bout de quelques années, ce qui crée des dégâts des eaux absolument incroyables dans les habitations. Et j'ai pu également voir que d'autres systèmes ne fonctionnaient plus tout simplement d'un point de vue électrique et ne produisaient plus d'électricité. Et lorsque les producteurs de ces installations, bah, appellent les entreprises qui ont posé ces panneaux photovoltaïques, malheureusement, une grosse majorité d'entre elles ont déposé le bilan et elles ne sont plus en mesure d'assurer le service après-vente sur ces installations. Alors, face à mon propre souhait de produire moi-même mon électricité et à la demande croissante de nos clients, j'ai cherché des solutions sûres et durables. Je voulais pouvoir proposer à nos clients des garanties les plus longues possibles, comme nous le faisons déjà sur la toiture. Alors pour ce faire, j'ai réfléchi, j'ai cherché et je me suis tourné vers notre partenaire historique qui m'accompagne depuis plus de 25 ans et qui accompagne les couvreurs occitans depuis bientôt 10 ans. Ce partenaire, c'est la marque Téréal. Téréal est depuis 150 ans un acteur majeur, je dirais, et une référence sur les matériaux de construction. Téréal développe des systèmes solaires intégrés et en surimposés pour le résidentiel depuis plus de 10 ans aujourd'hui, et avec des brevets innovants, des certifications, des garanties et totalement compatibles avec la gamme de tuiles en termes d'étanchéité, d'intégration, évidemment d'esthétisme. Aujourd'hui, Téréal propose une garantie décennale, bien sûr, sur la totalité du système, que ce soit en production d'électricité ou étanchéité, mais ces garanties vont bien au-delà, puisqu'en fait, en ce qui concerne la production, donc les panneaux photovoltaïques, pardon, leur production est garantie à 90% sur 10 ans et à 80% sur 25 ans. En ce qui concerne le système d'étanchéité, lui, ça aussi c'est très important, il faut savoir que ce sont des systèmes d'étanchéité en acier galvanisé thermolaqués qui sont produits à Mazamet dans le Tarn chez nous, pas très loin de Toulouse. Et ce système d'étanchéité, s'il est associé à des tuiles Téréal, est garanti 30 ans. Donc, si vous êtes un de nos clients et qu'on a déjà eu l'occasion de refaire votre toiture, eh bien, nous pouvons vous proposer 30 ans de garantie sur l'étanchéité de votre installation.
Si vous ajoutez à cela le fait que sur les 10 dernières années, parmi les centaines et les centaines de toitures que nous avons réalisées, nous n'avons jamais eu de sinistre en assurance décennale, alors je crois que vous êtes vraiment en de bonnes mains pour installer un système photovoltaïque en autoconsommation sur votre toiture. Alors, bien sûr, pour éviter tous les problèmes que ce marché a rencontrés à la fin des années 2000, je l'ai dit, pour éviter que tout ça se reproduise. Donc, la profession, aujourd'hui est encadrée et oblige les entreprises à avoir des labels et des certifications. Mais dans tous les cas, je vous encourage quand même à faire appel à un couvreur de métier pour poser ce type d'installation. Si vous êtes à Toulouse, bien sûr, faites appel au couvreur occitan, c'est du bon sens, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je veux dire, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans une autre région de France, je vous conseille de vous tourner vers une entreprise de couverture, car j'ai vu trop de catastrophes sur les toitures causées par des gens qui faisaient n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas couvreurs. Alors, si vous voulez produire vous-même, écologiquement, localement, votre propre électricité, afin de faire baisser votre facture et augmenter votre pouvoir d'achat, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous proposerons des solutions fiables, bien sûr, on en a parlé, esthétiques, où vous pourrez produire votre électricité, autoconsommer de 60 à 75% de votre production et revendre le surplus, ce que vous n'avez pas consommé, à EDF. Si vous voulez réaliser jusqu'à 10 000 euros d'économie en 10 ans sur votre facture d'électricité, alors contactez-nous au 05 81 60 87 45 et nous regarderons ensemble la faisabilité de votre projet. Merci pour votre attention. À bientôt.